Yo les refs, comment ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois à Paris. Gresca Vlog est de retour parce qu'on a trois petites paires de chaussures à vendre. Alors, il y en a forcément une que vous avez déjà vue dans l'event à Clermont-Ferrand parce que j'ai toujours pas vendu. Et aujourd'hui, on va faire deux choses. Premièrement, on va aller au pop-up de Swave, comme on avait fait il y a 3-4 mois de ça, parce qu'ils en refont un avec Astro et des potes à lui. Et je me suis dit que c'était cool d'à la fois soutenir et de voir justement ce qu'ils proposaient pour vous montrer ce qui se passe aussi à Paris au niveau des événements sneakers et tout. Et après, on va aller à Clockers parce que Ben m'a répondu pour ces petites paires-là. On va aller voir, mais je dois pas acheter grand chose parce que j'ai plus trop d'argent depuis que j'ai acheté la Shutterbug Band. Hello! Bah toujours mec. Bon, je vais pas mentir à la caméra. On le fout dans la merde là. Parce qu'en gros, il a oublié des paires et tout. Et on doit justement vendre ces paires là, mais tu les veux pas. Je peux les regarder, mais normalement. Non, mais si tu les veux pas, tant pis, on va pas faire le truc. Je sais que t'as des petits trucs à nous proposer. Si je vais à... Est-ce que tu veux d'abord qu'on fasse le tour et après tu nous fais les jeux? Je peux, ouais. Comme ça moi je prépare, tu fais le tour et après je te fais le jeu. Vas-y, tu sais quoi, on va aller faire le tour. Donc là, il y a les paires à toi, elles sont où? Toutes tes paires à toi. Et ça, c'est Astro. Et ça, c'est Astro. Ici, au milieu, c'est un peu mélangé. Et pareil, ici. Ça, c'est. Ok. Vous savez que Swave, c'est un gars sûr parce qu'il nous laisse rentrer une heure en avance. On est vraiment des privilégiés de fou. Bon, il faut qu'on en parle. Combien elle coûte ici? Shutterbugboard 2.0, Aléa, US7, 500 euros. Allez, ça commence bien. Ça commence super bien. On a donc là la Shutterbugboard juste là. Lucky Green, qui est vraiment cool. En plus, un peu porté, qui est à 44,5, 250 euros. C'est pas trop mal. Et de toute façon, vous pourrez pas trouver plus grand parce que c'est des tailles hommes. Des tailles femmes, pardon. Sean Wotherspoon, juste là, il n'y a pas le prix. Ah, 670 euros. La meilleure paire encore actuellement. De toute façon, il n'y aura jamais de débat là-dessus. Est-ce que Tom, il y en a une qui te plaît là où tu veux savoir le prix ou ça va? La Sakai, la beige, celle-ci? 370. Ouais, ça va. Ok, bon, bah si ça va alors. Les paires de Swave OMG Georgetown. Presque DS à 46,260. En vrai, ça c'est top paire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Dunk, ça, je sais toujours pas si je pourrais la revendre un jour. 170 euros. La Celtic, ça 180. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, top paire. La Military Blue, on espère qu'il va ressortir un jour. 44 à 280. Et franchement, pourtant, elle en a plein des paires. Hein. Mais celle-là, c'est celle qui dans le meilleur état, je crois, de celle que tu as eu des Military Blue. Elle est vraiment dans un bon état. Si t'en as une en 45 un jour comme ça, tu me dis. Hein. Et en haut, on a la New Balance. On va pas trop casser toute l'organisation. 43 à 46 à 180. La verte à 145. Et après, on en a d'autres. Et il y a l'Hilo Central. Alors, heureusement, il n'y a pas de Union Guava Ice parce que j'aurais eu le seum. Ta petite Travis. Incroyable. Toi, tu préfères l'Halo aussi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Celle-ci, par contre, qui est la meilleure. Bon, on va mettre un débat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves ça encore cool? Ouais. Moi, franchement, je trouve que c'était cool sur le moment. Mais maintenant, je pense que c'est un peu terminado. Mais bon, la petite Off-White. Et on a tout le comptoir juste là. Ça, c'est les paires petit prix. Bah, très bien. C'est quoi les prix? 100 euros. Là, putain, elle est délavée, frérot. Là, elle est portée, celle-là. À 240. Même, tu vois, par contre, de la Yeezy à. Du coup, elle est grave portée à 65 balles. Je trouve que ça vaut le coup, tu vois. Ouais. La Héritage, mais on va pas parler de cette paire-là parce que personne n'en veut. On est bien d'accord. Mais moi, mec. Je veux jouer, ouais. Ici, on a deux paires du coup, de Jordan 4 Lightning. Moi, jamais je saurais laquelle est la vraie et quelle est la fausse. Il y a deux paires de Jordan 4 Lightning. Une est vraie, une est fausse. Parce qu'il ne faut pas que je les mélange, parce que si vous ne savez pas, après, je suis mort. C'est pas la même taille, donc je sais laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Attends, je vais faire comme les mecs qui les dit, je regarde les semelles alors que j'y connais rien, frérot. Fais voir s'il y a vraiment une différence entre ça et celle-ci. Gros, il y a grave une différence. Je sais pas si Tom, t'arrives à le voir à la caméra. Tu vois ou pas à l'intérieur là? Ouais. Les taches et tout. Alors que celle-là, il n'y en a pas, je crois. Non, celle-là, il n'y a pas de taches, tu vois. T'es mal. Et même, regarde au niveau de la semelle là, la couleur elle est pas la même. Par contre, j'en ai une qui est grave portée. Elle est légèrement plus portée. Mais celle-là elle est nettoyée. Les dons étaient nettoyés. Je vais pas le coller ça. Oh, le flight il est bizarre là. Mais sauf que Nike ils font tellement de dingueries aujourd'hui que je sais plus laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, tu vois. En fait, c'est est-ce que c'est ce gris là? Est-ce que c'est plus gris? Ah, la Toe Box elle est bizarre là. Gros, la paire elle est bizarre celle-là, gros. Moi je vais te donner mon avis. Tom, t'as ton avis? Ouais. Vas-y, moi je dis celle-là c'est la fausse, celle-là c'est la vraie. Tom? Et bah, c'est l'inverse. Celle-ci, c'est la vraie. Bon, allez, salut. Non, ça va. Genre, les taches et tout, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Mais gros, ça abuse. Celle-ci, en plus, elle a l'air plus pâle. La première chose que j'ai vue quand je l'ai prise en main, la paire, elle est bizarre. Genre, là, tu vois, elle est très carrée. Elle est plus ronde, celle-là. Mais gros, c'est abusé, par contre. En vrai, ça fait flipper. Hein. Et l'empuvé, ouais. Ça, par contre, je sais faire. Normalement. L'empuvé, dès que tu passes à l'empuvé, tu vas le voir directement. Ça marche pas. Normalement, il n'y a pas. Ah, ça, là. C'est pas normal, ça, là. Bah, fais le tour de la paire, tu vas voir, il y en a partout, en fait. Sur toute la paire, t'as des traces comme ça. Et ça, il n'y a pas, là. Et ça, il n'y a pas, là. Tu peux regarder tout autour de la paire. Bah, mais si j'avais eu la lampe UV, j'aurais su. Quand tu regardes les Jumpman, tu vas voir qu'en fait, lui, normalement, il a des doigts et lui, il en a pas. Sur la fake. Ah, ouais, t'as raison. Sur la vraie, il en a pas. Et sur la fake, le logo est un peu plus petit. C'est-à-dire qu'il y a un grand espacement entre la couture et le. Heureusement, vous êtes là pour nous aider, les gars, parce que moi, je serais mort. Ok. Je vais te demander de te retourner. On va te donner une paire. Oh, c'est facile, ça, je suis fort, ça. Tu donnes la paire et tu peux faire. Hop, top chrono. Tour, etc. C'est non, pas. Non, c'est assez simple. La force de Travis. Si j'ai trois bonnes réponses, je gagne quoi? Un bonbon? Normalement, tu gagnes un bonbon. Oula, c'est une Jordan 5. Bah, c'est la Off-White. Attends, il y a un trou ou pas? Oh, il n'y a pas de trou, mec. Oh là là, jamais j'ai le modèle, gros. Si, il y a des petits pics là. Ça, c'est une Jordan 5. Si, c'est une Off-White, c'est la noire. Oh là 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 là. Mais il n'y a pas de trou dans la languette normalement ou je l'ai pas trouvé? Ah, New Balance. Ok, alors attends. C'est quoi ça?
C'est une dunk. Oh, les dunks, j'y connais. Attends. C'est la dunk Celtics, verte. Oh, je sais même pas c'est quoi. Oh, j'ai mal aux yeux. Team Water, c'est pas du tout supprimé. Je le dis face à face, vraie initiative de refaire un pop-up. Je suis grave fier de toi, mec. Je te souhaite bon courage. On s'attrape. On fait attention à toi. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Les gars, bon après-midi, bon courage. Bon, le pop-up, il était grave cool. Je suis trop content qu'il y ait des petites initiatives qui soient faites comme ça. Viens, on va avancer parce qu'il y a du bruit là. On va aller à Clocker tout de suite voir Blady pour aller vendre les petites paires qui sont juste là. Honnêtement, il faut que je me fasse de l'argent parce que là, j'en peux plus. Mais il y a quelqu'un qui va mourir là. J'espère qu'on va au moins repartir avec genre au moins 500 balles. 500 balles pour les trois, ça va, non? Allez, on y va, toi. On arrive à Clockers. Pour la petite histoire, j'en ai déjà parlé à Blady et à Ben des prix qu'on va faire. Bienvenue chez Clockers. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo ici. Il faut absolument que tu me dises à coup de combien celle-là. La Guava Ice. Nous, on la vend 850. Et t'as pas ma taille. Et j'ai pas ta taille. Mais aujourd'hui, j'ai des petites paires pour toi parce que j'ai acheté la cheater backboard et j'ai plus de sous, tu vois. J'ai trois paires à te donner, mec. Attends, je vais toutes te les mettre. Hop. Ah, tu nous les donnes. À donner, alors, à donner contre de l'argent. Trois paires que je ne veux plus. Alors, bon, on en a déjà parlé avec Ben et tout, donc les prix sont déjà actés. Mais la Kentucky, t'aimes bien toi? Dunklo Kentucky, putain, 300 balles. Olé. Prix d'achat, j'ai acheté à 300. Donc, la petite Lopari. Je les rock, franchement, je les rock, tu crois, trois fois. Je l'ai même pas nettoyé pour te dire. Elle est vraiment cool, ça. Gros. Et ça, Tom, nous, on était comme des fous dessus et on la veut plus tous les deux. On a retourné nos vestes. Elle est vraiment cool, ça. Et ça se fait de moins en moins. Non, elle est cool, frère. Taille, elle est cool. Celle-là, 275. Vas-y, frérot. Putain, c'est jackpot pour toi aujourd'hui. Mec, je suis trop bien là. Et celle-ci, putain, celle-ci, c'est vraiment une paire de fous furieux. T'aimes bien? Ah, moi, je trouve que celle-là. Le coloris est très bien, mais genre, moi, je trouve que la dunk, ça... genre, j'en peux plus de la dunk, gros. Mais vraiment, est-ce que t'as vu le cuir? Là, si tu prends une black and white sur le mur, frérot. Sur le cuir, là, à la limite, un peu, mais c'est pas non plus. C'est comme la Kentucky. La Kentucky, c'est encore pire. La Kentucky, c'est flagrant. Ah ouais? Et le lining, il est fou à l'intérieur, le rembourrage et tout. Tu touches, tu vois direct. La Kentucky, ouais. Là, on a trois gammes de cuir différents là sur. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment plus. T'as vu comment j'offre du contenu à Clockers? Voilà, les trois différentes dunks qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est que moi, je l'ai, celle-là, j'en peux plus. Tu sais, je fais le jardinage avec, gros. Tu plantes quoi? Pas grand chose. Donc ça fait 2,50 plus 2,50 plus 15. Ça 250, fait 500. 275 et celle-ci 300. Un total de 550, 6, 7, 8, 8, 25. C'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, je suis riche. On est prof, on sait pas faire un calcul, gros. On va sortir la calculette quand même au cas où. 800. Là, je me fais. Là, putain. Let's go! Qu'est-ce que je pourrais m'acheter dans le magasin là? À 800. Combien on a dit? 825. Déjà, j'aurais presque pu me prendre la Guava Ice. En plus de ça, là, c'est 825. En paiement direct. Ça aurait été un achat, ça aurait été un peu plus. Honnêtement, tu peux quasiment tout acheter. Là. Ça, tu sais que pour moi, c'est la meilleure off-white qu'ils ont faite. Hein. Je sais que je suis fou à dire ça. Hein. Non, c'est bon, me dis pas ça. Allez, on passe à autre chose. Ça, moi qui suis pas non plus à fond dans la NBA, ça c'est top, top, top. Elle est incroyable. Non, si je devais choisir du coup un truc. Allez, vas-y, tu sais quoi, même si c'est pas ma taille, j'aurais pris la Guava Ice, je pense. Mais mec, donne-la-moi, s'il te plaît. Je veux l'avoir dans les mains. Ah, je suis dégoûté. Gros, je l'ai eu retail. Pourquoi je l'ai vendu? Est-ce que Jordan 4 c'est ton modèle préféré ou pas? Non, c'est une, moi. Une et une lot. Mais gros, c'est le fait de l'avoir eu retail et de l'avoir revendu, tu vois. Je suis dégoûté. En plus, je l'ai vendu à côté, à Meetup, là. Mais je pense qu'il faut que j'en trouve une languette coupée pour pouvoir la trouver pas chère, en fait. Mais en tout cas, si vous avez kiffé, merci déjà de votre accueil. Et ça fait plaisir de venir parce que ça fait longtemps qu'on se voit. Je passe souvent, j'ai oublié de mettre mon frein à main dans les parkings et tout. Enfin bref, que des problèmes à chaque fois que je viens. Et ça fait plaisir de vous vendre des petits trucs dont je me suis fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Venez chez Clockers, 44 rue Pastourelle, voir notre ami Blady, toujours le plus beau, Prolouf, qui est là tous les jours aussi. Cyril, qui est là de temps en temps, mais qui. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui sortent tous les vendredis à 18h et à me le dire en commentaire si les paires que vous voyez là, vous pensez que je me suis fait escroquer ou pas. Ce sont ces Blady qui paiera les comptes derrière et Ben, ne vous inquiétez pas. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao.